Le peuple abbé ne veut pas être vaincu, mais convaincu. Car quand l'abbé aime, c'est pour toujours. Au bout de 8 jours de tournée dans la région de l'Agnébitiassa, Guillaume Kigbafori-Soro a su, avec des mots d'apaisement et de réconfort, conquérir le cœur des peuples abbé et Krobou d'Agoville, sans oublier les populations de Sikensi, de Tiassalé et de Taabo. Elles l'ont démontré à travers leur mobilisation et la qualité des dons au président de l'Assemblée nationale. Mais surtout à travers leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara. J'en suis convaincu, profondément convaincu, les peuples abbé, Krobou, Abidji, Agni, Abidji-Agni, Elomouin, Swamelin et Baoulé applaudiront dès demain le nouveau pouvoir si celui-ci engage de grandes actions pour soulager les souffrances quotidienne, comme il le fait dans d'autres régions, par la construction d'infrastructures économiques de base, par l'assainissement de leur cadre de vie et par l'amélioration de leurs conditions de vie, Monsieur le Président. Ces populations, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, voudraient en plus vous charger de dire au Président de la République que ses parents, ses frères et sœurs d'Agoville lui adressent une invitation ferme à venir leur rendre visite. Certainement qu'au cours de cette visite, nos nombreux problèmes trouveront leur solution. Quant au porte-parole des chefs de l'Agnébitiassa, il a lancé un appel solennel à la population de ne pas céder aux manipulations de ceux qui veulent diviser la Côte d'Ivoire. Nous demandons à nos enfants qui seraient encore tentés de se faire enrôler par les assaillants de renoncer à cette intention funeste. Le président de l'Assemblée nationale a salué l'esprit républicain de ces populations de l'Agnébitiassa. L'accueil chaleureux, la mobilisation exceptionnelle finissent de me convaincre de l'attachement incontestable de la région de l'Agnébitiassa à la République. Le président me charge de vous dire que la Côte d'Ivoire n'ira pas sans l'Agnébitiassa. La Côte d'Ivoire, une et indivisible, réconciliée avec elle-même, ne peut que compter avec l'Agnébitiassa. Comme il l'avait fait dans la région du Gor, le président du Parlement ivoirien, avant de quitter la région de l'Agnébitiassa, a mis en mission les chefs, gardiens de nos traditions, pour sensibiliser au pardon et à la réconciliation, seul gage pour le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire.